Destination Auvergne-Rhône-Alpes, notre chronique hebdomadaire nous emmène cette semaine à la découverte d'un parc médiéval de la région situé à Haute-Rivoire, dans le Rhône. Ce petit village médiéval propose aux visiteurs de remonter le temps. Émilie Rousseau, Marjorie Nadal et Christophe Foulon. Si je vous dis Moyen-Âge, vous allez penser princesse, chevalier, dragon même peut-être. Mais là où je vous emmène aujourd'hui, on va rencontrer un scribe, une herboriste et même un armurier. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à Salvaterra. Je suis Maître Mathieu et nous sommes déjà en l'an de grâce 1222. Ici, le temps n'a pas d'emprise. Ici, on porte l'épée. On parle une autre langue. De mon lit, tantoste, me lever, chaussez-moi et mes mains laver. Ici, on écrit au brou de noix. Ma pointe qui est large et carrée, quand je la pose sur ma page, je fais en sorte que toute la largeur de ma pointe soit en contact avec ma page. Et voilà, j'ai gravé. C'est pas facile en fait. On prend le temps de bien écrire, de faire en sorte que les choses soient belles et bien réalisées. Mais après, il y a des automatismes qui se prennent, parce qu'on a des gestes qui vont se répéter. C'est drôlement compliqué. Qu'est-ce que vous trouvez difficile ? Le maniement du stylo pour régler l'équilibre des lettres, qu'elles ne soient pas trop épaisses, que ça ne fasse pas des pâtés. Vivre au rythme de nos ancêtres, c'est l'ambition de ce parc un peu atypique. Nos jardins sont très bien agencés. Ils sont organisés par petits carrés. Bien ! Qu'est-ce que ça sent ? Vous connaissez cette plante très bonne pour se... s'apaiser aussi. C'est la mélisse, bravo. Écoutez. Alors, ça sent bon ? Apprendre. Le miel de pissenlit est fort bon pour les reins. Mais le miel de châtaignier vous fortifie. Et parfois, accepter de se prêter au jeu. Moment mode. On met les mains dans la côte. C'est aïe douloureux. 1, 2, 3, zou. Bien joué, Émilie. C'est très lourd. Ça pèse combien tout ça ? Il ne pèse que 10 kilos plus à peu près 2 kilos avec ça. C'est un peu mon rôle aussi ça, de montrer que non, le Moyen-Âge, c'est pas à l'époque des jolis chevaliers qui vont se battre pour un oui ou pour un non, et la bataille, oh là là, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est flamboyant. Non, c'est beaucoup plus dégueulasse, c'est beaucoup plus sordide. Donc c'est vraiment mon rôle, c'est ça, c'est de montrer que on reste des humains malgré tout. On va pas se battre pour un oui pour un non, et la bagarre, ça va faire très bien. Alors vous avez remarqué, l'ambiance ici, elle est très familiale. Et les enfants, ce qu'ils attendent, c'est le clou du spectacle, la démonstration de combat, et c'est maintenant. Alors ce parc est animé par une équipe de passionnés. Messire de Loriga en fait partie. Et lorsqu'ils sont arrivés ici, sur ce pré, ce terrain nu, ils ont tout construit de leurs propres mains. Alors, quelle mouche vous a piqué ? Qu'est-ce qui vous a motivé à construire ce parc ? L'idée, c'était, avec un groupe de passionnés, de faire venir des gens sur un lieu qu'on animait nous-mêmes, d'être chez nous, et de faire partager cette passion à des visiteurs. Alors qu'est-ce qu'ils aiment les gens dans le Moyen-Âge ? Qu'est-ce qui les passionne ? Alors c'est vrai, il y a tout le cliché des batailles, hein, la chevalerie, les tournois. On aime bien casser des idées reçues. Mais 1000 ans d'histoire, ça a marqué l'Europe. Donc les gens sont fascinés par le Moyen-Âge. Et l'engouement est contagieux. Ouvert depuis 2005, le parc attire environ 15 000 visiteurs par an. J'adore ce parc, j'adore cette journée. Le décor, les costumes des hôtes... la bonne ambiance, la simplicité, la nature. C'est à taille humaine, on est proche des animateurs, ils prennent le temps d'expliquer, d'avoir une bonne interaction avec eux, donc c'est sympa. C'était bien parce qu'on a appris des choses sur le Moyen-Âge. On a appris l'écriture comme on écrivait avant, les coutumes aussi. En saison, le village de Salvaterra est ouvert aux familles tous les dimanches. Combat, costumes, épées, tout y est. Et pour le reste du programme, on ne peut rien vous promettre parce que vous l'avez vu, l'équipe ici est passionnée et elle est surtout imprévisible. Allez,